Salut à tous! Bonjour! Bonjour! Alors, Raph, tu as un petit reportage sur tes vacances à Paris? Oui. Tu n'as pas l'air très content de tes vacances? Content de mes vacances? Moi? Bien sûr que oui! Je suis un aventurier. Mais c'est difficile de reprendre le travail. Ah bon? Tu n'es pas content avec nous? Si, si, mais je préfère les voyages. Regardez, là, je suis à Paris. Alors là, je suis à la Tour Eiffel. Waouh! Elle est très grande! Immense, oui. 324 mètres. Pour la visiter, tu prends l'ascenseur ou les escaliers. Il y a beaucoup de monde. C'est trop long. Je continue ma balade. Oh. Et là, je suis sur un bateau-mouche. Un bateau-mouche? C'est quoi? C'est pour visiter Paris. C'est beau, hein? Ah oui, c'est très joli. Là, c'est le pont des arts. C'est aussi le pont des amoureux. Ah? Pourquoi? Les amoureux accrochent un cadenas sur le pont pour dire qu'ils s'aiment pour toujours. Oh, c'est très romantique. Oui. Et là, c'est le Sacré-Cœur. J'aime bien parce que c'est haut. Tu montes un grand escalier et tu arrives devant le monument. On peut voir tout Paris. Ah oui, c'est chouette. Voici aussi un endroit où les gens dansent. C'est gratuit, c'est chauffé et tu peux danser, jongler, écouter de la musique. Ah oui, c'est très bien cet endroit. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le 104. Il y a beaucoup d'expositions, de concerts. C'est super, j'adore. Merci Raph pour ce super reportage. Merci Alice pour ta recette de gâteau. L'ultra fondant au chocolat. Et je vous dis à l'année prochaine avec de nouvelles découvertes.